des progrès ont été réalisés. C'est un Anthony Blinken déterminé qui a conclu son déplacement en Égypte à l'occasion de sa tournée au Moyen-Orient. Prochaine étape, Israël ce vendredi, où Anthony Blinken veut accentuer la pression sur son allié pour le convaincre de renoncer à une offensive terrestre sur Rafah. Nous avons tous des craintes. Il y a plus d'un million de personnes à Rafah, des personnes déplacées d'autres endroits de Gaza. Une opération d'ampleur là-bas entraînerait plus de victimes parmi les civils et aggraverait la crise humanitaire. Il y a de meilleurs moyens de répondre à la menace posée par le Hamas. Pendant ses discussions avec Benjamin Netanyahou, Anthony Blinken ne devrait pas manquer de garder un œil sur ce qu'il se passe à New York. Pour la première fois, les États-Unis mettent au vote du Conseil de sécurité une résolution pour un cessez-le-feu immédiat. Dans le même temps, une autre rencontre, moins publique, se tiendra à Doha, entre le chef du Mossad et le directeur de la CIA, en compagnie du Qatar et de l'Égypte, pour dessiner les contours d'une trêve éventuelle.